Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le programme de la femme chrétienne et africaine. Alors comme toujours, nous avons des sujets d'actualité, mais aussi des sujets brûlants qui sont souvent tabous dans nos sociétés africaines. Et aujourd'hui, on a un sujet en particulier qu'on voudrait développer avec vous. Alors on vous invite à vous installer et je vous dis à tout de suite. Le thème du jour aujourd'hui, mesdames, c'est on va parler de divorce avec un focus sur l'abandon du foyer, comme beaucoup d'entre nous connaissent. En Afrique, le cas justement où le mari part, il a 2, 3, 4, 5 bureaux. Donc on va développer ce sujet aujourd'hui avec nos co-hosts, nos partenaires animatrices pour l'émission. Donc Mama Audrey, merci d'être là encore. Je suis tellement contente de pouvoir passer ce moment avec mes sœurs africaines et espérer que ce qu'on porte sur ce programme peut les aider. Exactement. C'est le désir de notre cœur. C'est le but de notre émission. Et justement, on a aussi Mama Janine qui est avec nous depuis Kinshasa, qui a fait le déplacement. Absolument, pour venir Nadège. Nous donner quelques feedbacks du terrain. Tout à fait. Bonjour Nadège, bonjour Mama Audrey. Bonjour Mama Magali. Et toutes nos téléspectatrices, bonjour à vous toutes. Voilà. Et Magali, notre chroniqueuse, bien sûr, qui nous déniche des chiffres, du contexte, des données bien. Est-ce qu'elle est belle, Magali, aujourd'hui? Elle est belle, hein, elle est belle. Merci. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous encore une fois pour cette émission. Voilà. Et on a en direct de Paris une sœur du Cameroun qui s'appelle Sidonie Ekoto. Sidonie, merci d'être avec nous. Merci Nadège, bonjour. C'est un plaisir en tout merci cas de t'avoir avec nous. Alors, donc, comme on disait par rapport à notre sujet du jour, Mama Audrey, aujourd'hui on parle de divorce et plus particulièrement de l'abandon du foyer, à savoir que beaucoup de femmes font face à des cas assez difficiles où soit le mari a un troisième, quatrième bureau, s'en va et la laisse toute seule. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va contextualiser dans la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, tu as l'habitude de nous donner des chiffres, des faits voilà. Réels. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Alors, quelques petites données, Nadège, Mama Janine, Mama Audrey, encore aujourd'hui dans ce sujet, divorce. Alors, c'est vrai que le mariage, acte par lequel deux personnes décident de s'unir pour le meilleur et pour le pire, normalement, c'est le tableau. Le meilleur. Hein, donc, on rêve tous, c'est le bonheur, au début, en tout cas, la joie, comme dans les films, mais ça peut tourner au vinaigre. Mmh. Et si l'un ou l'autre conjoint, eh bien, voilà, n'en peut plus ou ne respecte pas les règles en vigueur selon la loi ou selon les coutumes, parce qu'en Afrique, c'est vrai que c'est souvent des questions de coutumes, de pratiques qui mènent les gens au divorce. Alors, moi, j'ai trouvé une petite définition du divorce, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de donner voilà, un sens au mot. Alors, c'est la dissolution du mariage prononcée par jugement. Et il faut savoir qu'en Afrique, eh bien, le divorce est encore très mal perçu. Hein, c'est vrai que les gens, eh bien, ils sont mariés, et quand on se marie une fois, et on reste avec son conjoint, et c'est encore très, très ancré dans la culture africaine. Divorcer, c'est très mal vu, et les gens en général restent avec leur conjoint. Puis aussi, il y a autre chose qui explique cela, c'est que c'est une juridiction qui est très difficile. En général, les juges ne sont pas très accessibles. Accessibles. Et puis, ça coûte cher de divorcer, faut dire oui, ce qu'il y a. Avoir les avocats. Et aussi, il n'y a pas l'équité entre les hommes et les femmes. Femme, ouais. Donc, du coup, les gens évitent de procéder au divorce. Ouais. Alors, maintenant que vous avez une évolution par rapport à cela en Afrique, vous avez dans de grands centres urbains en Europe, où il y a beaucoup d'Africaines qui ont une aversion justement des traditions ancestrales, de rester mariées, ou en tout cas soumises à un mari qui prend soin d'elles et puis qui leur assure économiquement, une sécurité économique. Voilà, c'est exactement ce que cherchait merci Nadège. Et en fait, elles cherchent à s'affranchir des codes de l'Afrique et ces femmes africaines en Europe divorce plus facilement. Et cette mentalité se perpétue aussi en Afrique. Celles qui se sont taillées un succès professionnel, qui arrivent un petit peu à accéder à des postes en Afrique, eh bien, elles arrivent à subvenir amplement à leurs propres besoins, et personnels comme familiaux. Et donc, voilà, elles ont plus de liberté du ménage, etc. Mmh. Et c'est ces femmes-là qui vont divorcer si le mari, économiquement, n'est plus en position de force. Elles vont avoir cette liberté pour divorcer. Alors, il y a une étude en Afrique, vous avez quand même un taux de divorce qui a baissé.
paradoxalement, sur la période de contemporaine. Cette tendance a été observée. Légal, hein. Voilà, les divorces, voilà, exactement. Ils sont en baisse en Afrique subsaharienne particulièrement. C'est une étude qui a été faite dans 20 pays africains au cours des 20 dernières années, parce que effectivement, ça perdure encore. Le fait que divorcer, c'est pas bien et on ne le fait pas. Alors, les causes du divorce que j'ai pu trouver en Afrique, les principales causes, Mama Audrey, eh bien, c'est l'abandon du domicile conjugal. Ça, c'est vraiment Par le mari. Voilà, par le mari en général. C'est vraiment un phénomène de société. On a tous connu des familles où le père était absent. Il est où ton père? Voilà. Bah, il est parti en Afrique faire des affaires. On l'a jamais revu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et les femmes restent comme ça. Et elles ne savent pas finalement s'il va revenir ou pas. Elles disent aux enfants, bah, écoute, ton père est parti en voyage d'affaires. Voilà, exactement. Il y a même un film qui s'appelle « Papa est parti en voyage d'affaires » où l'enfant demande à sa maman « Mais papa, il est parti où ?» Ben, il est parti en voyage d'affaires et il n'est jamais revenu. Ça fait 15 ans qu'il est en voyage d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un phénomène de société et la cause principale des divorces en Afrique. Et vous avez également aussi la question de l'argent, des finances. Par exemple, les femmes justement qui commencent à s'émanciper, à avoir un peu plus de revenus, eh bien, elles se disent ben, « voilà, j'ai pas besoin de toi, donc je peux me débrouiller toute seule ». Et vous avez aussi les problèmes de la stérilité qui est avancée. Ça, c'est plus les hommes. Parce qu'une femme qui ne peut pas produire d'enfants en Afrique, c'est très, très mal vu, ça aussi. Oui, une famille sans enfants, c'est mal. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est la femme et ce n'est pas l'homme, puisqu'il a des enfants ailleurs choisis. Et justement, il va essayer avec une autre. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver comme données. Mais c'est vrai que quelque part en Afrique, quand même, le divorce reste quelque chose de tabou par rapport en Europe, où c'est beaucoup plus pratique. Monnaie courante. Voilà, exactement. Wow. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant les femmes quand elles quittent l'Afrique et qu'elles vont en Europe. En Europe, et là, ouais, elles vont s'affranchir de toute coutume et divorcer. Ouais. Il faut juste prendre conscience, Maman Audrey, ce qui se passe, c'est que quand ces femmes arrivent en Europe, elles viennent souvent dans le cadre de la réunification familiale, du regroupement familial. Oui, le regroupement familial. Elles vont rencontrer dans le cadre du regroupement familial, il y a un suivi social qui va être fait auprès des services sociaux. Et c'est au moment où elles ont des rendez-vous avec les assistants sociaux. Elles partagent la situation. Voilà. Au travers des questions qui vont leur être posées. Parfois, ce n'est même pas conscient, parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont dans des situations accablantes, puisque c'est leur vécu quotidien. Mais au travers des questions qui vont leur être posées, elles vont prendre conscience, ou du moins, les travailleurs sociaux vont leur faire prendre conscience que, mais attendez, ce n'est pas normal. C'est pas normal, voilà, c'est ça. Hein, donc ça, je l'ai dit. Et après tout, il y a des lois qui parlent de ça et qui gèrent ça. Exactement. Ah bon ? Voilà. Okay. Et c'est à partir de cette... Donc ça aide aussi à cette émancipation. Ça va impulser quelque chose qui va aboutir. En fait, elles arrivent à connaître leurs droits et connaître... Exactement. Donc, je voulais juste amener C'est sûr. Justement, Maman Janine, comme Magali nous donnait un petit peu de contexte, quelle est la situation à Kinshasa dans le domaine du divorce ou l'abandon du foyer? Écoute, Nadège, me vient à l'esprit à l'instant, là, le témoignage de ces deux femmes que j'ai rencontrées, qui servent le Seigneur de tout leur cœur. La première, donc, son mari est parti en voyage d'affaires il y a 7 ans. Il n'est pas revenu. Et la deuxième, son mari est parti, pareil, en voyage d'affaires, je crois, en Angola, oui, c'est ça. Et ça fait 10 ans que monsieur est parti, sans jamais revenir. Et bien sûr, le contact est toujours établi entre les deux parents, mais le problème, c'est que l'homme, maintenant, est dans une position où il demande à la femme de lui envoyer de l'argent. Incroyable. Alors que c'est lui qui était parti au départ pour des affaires et prendre soin de sa famille. Wow. Donc, ce qui se passe... Il n'a rien envoyé entre-temps. Il n'a rien envoyé, en tout cas pas suffisamment pour que la femme puisse garder son logement et prendre soin de ses enfants. Et ces femmes se sont retrouvées, par la force des choses, à travailler, à vendre au marché et à pouvoir prendre soin de leurs enfants. Subvenir aux besoins de leurs enfants. Et envoyer de temps en temps, quand c'est nécessaire, de l'argent au mari qui est à l'étranger. Mais donc ça veut dire que ce cas d'abandon de foyer est un cas courant, commun et... C'est un cas où les femmes, il n'y a aucune espèce de c'est rébellion. Normal, en fait. C'est quelque chose qu'elles vivent. Alors, et ce sont des chrétiens ? Ce sont des chrétiens. Ce sont des hommes. Les maris sont... Les maris sont chrétiens. En tout cas, pour leur avoir posé la question, ils venaient même à l'église, mais ils sont partis. Et le contact est toujours maintenu. Mais là où ces femmes me disaient qu'elles avaient de la difficulté, c'était par rapport à leurs enfants, Maman Audrey, parce que les enfants sont dans une rébellion contre le papa.
Ils ne comprennent pas pourquoi papa les a abandonnés, pourquoi c'est maman qui doit tout faire. Pourquoi ils sont eux sans papa alors que les autres enfants ont un père. Exactement. Et ils ne comprennent même pas pourquoi maman, la mère envoie de l'argent au père. Hein, et donc Janine, ça crée une forme de rébellion. Dans ces cas-là, est-ce que les femmes, elles demandent le divorce ou alors elles laissent la situation telle qu'elle est ? Mais elles ne demandent pas le divorce parce que pour elles, ce n'est pas une cause de divorce. Mm-hmm. Tu vois, le mari est parti, il s'est retrouvé dans des situations. Alors, elles sont tout à fait au fait. Hein, elles savent que là-bas, il y a certainement un ou deux bureaux. Hein, elles le savent. De toute façon, ce genre de choses, ça finit toujours par se savoir. Mais pour autant, souvent, ce qu'elles me disent, c'est qu'il m'a épousée. Donc, puisque c'est lui qui m'a épousée, ben, s'il veut me répudier, c'est à lui de me répudier, ce n'est pas à moi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve... Parce que finalement, l'abandon de foyer, ça correspond à une répudiation. Ou est-ce qu'ils renvoient, est-ce que leur arrive de renvoyer leur femme chez les parents, par exemple? Alors, les cas de répudiation par les hommes, c'est soit pour des raisons de stérilité, et encore maintenant avec le phénomène des bureaux. Voilà, il s'est résolu. Il ne répudie pas plus que ça maintenant leur femme. Mm-hmm. Mais sinon, il n'y a pas de cas de répudiation dans ce cas-là. Quoi. Nous avons justement Sidonie qui est avec nous. Sidonie, je ne sais pas si tu nous entends ? Ah, c'est parfait. Voilà, pour des raisons techniques, nous avons opté pour un nouveau système. Donc, est-ce que Sidonie, tu pourrais nous donner le témoignage de ton parcours, justement, le divorce, comment ça s'est passé, comment tu te relèves après de vécu tout ça. Cela. Alors, Nadège, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, voilà. Moi, je vis en France, donc je suis en région parisienne, mais c'est au Cameroun que je me suis mariée. Donc, mon mari, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. D'accord. Et donc, on s'est marié, on a eu deux enfants, et il s'est trouvé qu'il y a eu commencé à avoir des problèmes au niveau du foyer, des tensions, ce qui a engendré quelques violences. Et c'est quand j'attendais notre troisième enfant que les choses se sont dégradées. Je me souviens être allée travailler ce jour-là, et quand je suis rentrée, je voulais ouvrir la porte, et la porte ne s'ouvrait pas. J'ai toqué, donc mon mari était à l'intérieur, et il m'a dit simplement « retourne où tu étais ». Pourtant, je sortais du travail. Et donc là, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Je lui ai dit « mais est-ce que tu peux me permettre d'entrer ?» Et là, j'ai compris qu'il était déjà très énervé, il était alcoolisé en fait. Ah. Et donc moi, voilà, j'ai insisté pour entrer parce que les enfants étaient à la maison. Et donc quand je suis rentrée, le dialogue n'a pas pu être établi. Et là, très vite, la situation a dégénéré, il s'est énervé, il m'a battu, il m'a dit « voilà, tu retournes où tu étais ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvée hors de mon foyer à 2h du matin. Et sans tes enfants ? Sans les enfants, waouh ! Sans les enfants, et j'étais enceinte. Wow. J'étais enceinte, je devais être à 3 mois et demi de grossesse. Oh là là, d'accord. Et donc, à cette heure-là, je n'avais... Et en plus, quand je suis sortie, il ne m'a pas donné mes papiers, je n'avais pas mes bagages, je n'avais rien, en fait. Donc, quelque part, il savait que j'étais en position... De faiblesse. Oui, donc je ne pouvais rien faire. Et donc, près de la maison, il y avait un commissariat de police. Je me suis rendue au commissariat. Et là, j'ai expliqué aux personnes qui étaient là, je lui ai dit, écoutez, je suis une femme, je viens d'être expulsée du domicile conjugal par mon mari. Après m'avoir battue. Première réaction, il n'avait pas l'air d'être pris du fait que moi je vienne comme ça. Et ils m'ont dit attendez là madame. J'ai attendu. Quelque temps après, ils m'ont appelé pour rédiger une main courante. Pendant que je rédigeais la main courante, il y a un autre policier qui est arrivé. Il demandait pourquoi elle est là, cette femme-là, cette heure avancée. Et donc son collègue lui explique pourquoi je suis là. Et il se retourne vers moi et me pose la question, mais madame. Vous êtes sûr que vous n'avez rien fait quand votre mari vous chasse à cette heure-ci de la nuit. Waouh. Donc en fait, ça s'est retourné contre toi ou quelque part, c'était de ta faute si ton mari te mettait dehors. Certainement, il devait avoir une bonne raison pour que je puisse être chassée à cette heure-là de la nuit. Mais comment tu en es arrivée jusqu'à la démarche de divorce? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé de retourner d'abord chez mon mari parce qu'à cette heure-là, ils ne pouvaient rien faire parce que les services sociaux étaient fermés. À 2h du matin, ils m'ont dit, écoutez, nous, on vous donne un conseil, appelez soit votre belle-famille. En fait, ils m'ont demandé, voilà, de retourner du côté de ma belle-famille pour que je puisse être accueillie. OK. Pour la vie. Donc, voilà, parce que légalement, en fait, une femme ne peut pas, même si elle était chassée par son mari,
Mais vos parents, ils n'habitaient pas très loin. J'ai toqué à la porte. J'ai expliqué, j'ai supprimé. Mais qu'est-ce que tu fais là, à 7 heures de la nuit? Je leur ai expliqué. Mais encore, et qu'est-ce qui lui arrive? Le beau-papa, il est sorti de chez lui. Il est venu, il a toqué. Et son fils lui a dit, elle ne rentre pas chez moi. Waouh. Et donc, il a refusé. Il a refusé de m'accueillir. Donc, c'est en ce moment-là que moi, j'ai dû me retourner vers ma famille le lendemain matin. Parce que, quelque part, c'est tellement dans les mœurs, les coutumes, les mentalités. C'est que quand une femme est mariée et que son mari la chasse comme ça, la personne qui l'accueille est dans une position assez difficile. Délicate. D'accord. Donc, quelque part, c'est comme s'il avait pris à partie, en fait. Voilà. Surtout que si, quelque part aussi, il faut bien le noter, si le mari a une certaine position sociale, il peut très vite tourner la situation contre la personne. D'accord. Je le dis parce que je l'ai vécu aussi quand j'ai été hébergée. À un moment, chez un de mes oncles, il a été appelé et menacé. D'accord. Malheureusement, on a une petite coupure pour la connexion, mais Mama Audrey, on a compris, en quelques mots, le contexte de Sidonie. Et pour nous, en fait, c'est ahurissant d'entendre ce type de témoignage. Le pire, c'est que ce soit au niveau de la loi, elles n'ont aucun droit. Même la police ne les aide pas, la belle-famille ne les aide pas, les parents eux-mêmes, puisqu'ils se sentent menacés. Et c'est extraordinaire qu'elle ait eu une sœur qui a eu le courage de l'héberger et qui n'a pas eu peur des répercussions, puisque dans beaucoup de cas, les gens ont peur. Et ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aider, ils voudraient aider. Mais jusqu'où les répercussions peuvent aller, et ça les arrête, et ça les freine dans leur désir d'aider. Justement, comment la parole de Dieu peut nous éclairer au niveau du divorce? Que dit la parole de Dieu par rapport au divorce? Dans ce cas, c'est très facile, c'est très simple. La parole de Dieu dans le Corinthiens parle clairement que si une femme épouse un incroyant et que l'incroyant ne veut pas vivre avec elle, bon, dans le cas de la Bible, il dit que l'incroyant parte. Mais en Afrique, c'est l'incroyant qui chasse. Mais dans ce cas, la Bible dit qu'elle est libre. C'est ça. Donc, il faut bien que, au niveau de la loi, s'ils se sont mariés, il faut bien mettre un terme à ce contrat. Oui, à l'alliance, voilà. Puisqu'ils ne sont plus ensemble. Donc, dans ce cas, le divorce est totalement légitime. Et il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Dans ce cas-là, dans ce cas précis-là, est-ce qu'elle a la possibilité de se remarier? Oui, elle est libre. Donc là, Elle est entièrement libre. Son mari a rompu le contrat. Puisque le Seigneur, du reste, la raison, le Seigneur dit, il dit, dans ce cas, la femme, elle est libre, puisque nous sommes appelés à vivre en paix. Voilà, c'est ça. C'est le but du mariage. Ce n'est pas pour se battre et pour avoir raison ou pour quoi que ce soit. Donc, dans ce cas, elle est absolument libre. Il y a un autre cas aussi où la parole de Dieu parle d'infidélité, pour cause d'infidélité. Oui. Comment on gère ce cas-là? Je pense que chaque cas est différent. Absolument chaque cas est différent. On ne peut pas généraliser. Il y a une différence entre quelqu'un qui commet une erreur et quelqu'un qui a ça comme style de vie. Voilà, c'est monnaie courante, il y a plusieurs bureaux, voilà. Et puisque le pardon, c'est une des plus grandes forces de la chrétienté, et ça peut arriver à notre femme. Oui. On a vu la femme adultère. On ne parle pas souvent de ça, mais... La femme adultère, Jésus l'a pardonné. Tout à fait. Donc si notre mari a eu un moment de faiblesse, il a chuté et qu'il se repent, moi, je pense que le pardon est quelque chose d'extraordinaire et que ça peut emmener une restauration et nous emmener à vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Bien sûr. Donc, on ne peut pas généraliser. Il y a des femmes qui aiment leur mari, qui ont la foi dans leur cœur que le Seigneur va rétablir la relation, va gagner le cœur de leur mari et qu'à la fin du jour, elles vont retrouver un foyer heureux. Et dans ce cas, on ne peut pas leur imposer, leur dire, plus qu'un adultère. Non, je crois que chaque cas doit être pris séparément, ça dépend de tellement de choses, mais c'est sûr que le divorce n'a jamais été dans le cœur de Dieu. Bien sûr. Il a dit que si Moïse donnait une lettre de répudiation pour les autoriser qu'on donne une lettre de répudiation aux femmes, ça cause la dureté du cœur de l'homme. Et en aucun cas, le Seigneur veut qu'on ait un cœur de Dieu. Au contraire, il nous dit, ils enlèvent le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Ouais. Donc, on doit aimer notre femme. La parole de Dieu est claire là-dessus, qu'on doit aimer, prendre soin d'elle comme étant le sexe plus faible. Bien sûr. Et donc, le divorce n'a jamais été dans le cœur de Dieu. Le divorce, c'est quelque chose que le Seigneur déteste. Mais c'est vrai qu'il a donné une possibilité. Voilà. De l'adultère. Parce qu'il peut y avoir des cas vraiment très durs. Hein, bah, écoute, c'est le choix de la femme. Voilà. C'est son choix. Bibliquement parlant, si son mari est tombé dans l'adultère,
elle a le droit de choisir de divorcer. Mm-hmm. C'est totalement légitime, selon la Bible. Bien mais sûr. Elle a aussi le choix de pardonner. Oui, elle a aussi le choix d'avoir la foi. Elle a aussi le choix de faire confiance au Seigneur, mm-hmm. parce qu'elle aime son mari. Il y a des femmes qui aiment leur mari, malgré tout ce qui se passe. Bien sûr. Et on ne peut pas leur donner un code de conduite. Mm-hmm. Ce n'est pas, c'est comme ça, point 1, point 2, point 3. Oui, non, sûr, ça ne marche sûr. Pas comme ça. Mais le cœur de Dieu, ce n'est vraiment pas le divorce. Mm-hmm. Parce que justement, comme on dit, le cœur de Dieu, ce n'est pas le divorce. C'est rester aussi très ancré dans les mentalités, donc les mœurs. Oui, il y a une pression sociale. Voilà, c'est que des fois, on ne connaît pas le parcours de la femme qui est arrivée jusqu'au point du divorce. Et parfois, même dans les églises, il y a un regard qui est négatif sur cette femme ou sur cet homme qui a divorcé sans connaître en fait le passif. Il faut dire passif, aussi, il se peut que cette femme n'ait jamais aimé cet homme. Aussi, oui. Et que ni l'homme, et que c'était un mariage arrangé par la famille préalablement, et que par la suite, quand ils ont vécu ensemble, ben, y avait rien entre eux. Et ça ne s'est pas passé, il n'y avait rien. Et finalement, le mari est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il tombe, c'est des problèmes énormes, puisque le mariage coutumier, ce n'est pas vraiment un mariage biblique, où oui, il y a eu un sûr. Amour, où ça a été une décision du mari et de la femme de s'unir mm-hmm. en mariage. Bien ça sûr. A été un arrangement, Jeannine. Pas forcément, maman Audrey, dans le sens où le mariage coutumier, aujourd'hui, avec les jeunes générations, on voit bien que le couple, bon, bah, ils s'aiment, ils veulent se marier, et maintenant... Donc ça, ce n'est pas une décision des parents. C'est pas forcément une décision, pas forcément. Mais ça arrive, les décisions des parents. Il y a encore des cas où certains mariages sont arrangés. C'est de moins en moins, je pense. Mais de moins en moins. Par la nouvelle génération, en tout cas, j'imagine, en tout cas. Oui. Je pense que c'est de moins en moins, à moins que ce soit vraiment des familles qui soient très, très riches, où c'est effectivement, ça. On va vouloir, pour maintenir les liens. Et je pense aussi que même dans le cas d'adultère, il y a beaucoup de femmes qui voudraient peut-être divorcer. Oui. Mais qui... Il y a une pression sociale énorme, puisqu'il y a un prix à payer. Parce que économiquement, si tu veux divorcer, ben tu as un prix à payer, c'est d'être rejeté par la société, rejeté par ta famille, et peut-être rejeté par l'Église. Aussi, effectivement, oui. Jeannine, justement, il y a des femmes divorcées à Kinshasa qui arrivent à s'en sortir seules. Oui, ça arrive, mais il y a quand même, comme disait maman Audrey, un phénomène de rejet. On est mal vu. C'est ça. Parce qu'une femme qui divorce, c'est une femme qui est libre. C'est une femme qui rejette la coutume, c'est une femme qui est hors norme, en fait. Donc, elle va quand même... Qui est à contre-courant. Qui est à contre-courant, et on n'aime pas tout ce qui est à contre-courant. Donc, il va avoir un regard sur elle, au niveau de sa famille, au niveau de la société. On ne va pas voir que c'est le mari qui a eu l'adultère, voilà. qui a des bureaux dehors, on va voir la femme. Les gens ne voient pas l'historique, en fait. Ils ne voient pas l'historique. Et de toute façon, je ne pense pas qu'ils ont besoin de voir l'historique. Il y a une expression à Kinshasa qui est courue. Liba langweza yayo. Ça veut dire... C'est-à-dire, de toute façon, ce mariage, c'est à toi. C'est toi qui l'as épousé. Donc, même s'il va voir ailleurs, c'est toi qui l'as épousé. Il a fait la démarche de te doter. Donc, tu es l'officiel. Donc, tu as cherché, tu as trouvé. Non, c'est comme si tu es l'officiel. Tu es l'officiel. Quel que soit ce que tu fais autour, tu restes l'officiel. C'est la première dame. Tu es la première dame. Donc, tu ne te soucies pas du reste. C'est ça. Quel que soit ce qu'il fait. Passe sur le reste. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, le code prévoit, en cas de décès du conjoint qui est marié à plusieurs femmes, que c'est la première dame, justement, qui aura l'héritage. Qui aura l'héritage. Oui. La plupart du temps, c'est ça. C'est le temps nous est compté, maman Audrey. Et on va passer, justement, maintenant au mot de la fin. C'est un sujet très, très délicat. C'est très difficile à donner un code. Mais je pense qu'encore une fois, il faut que les femmes parlent. Mmh. Il faut qu'elles se confient. Il faut qu'elles cherchent de l'aide. Peut-être qu'elles n'ont pas de lumière sur leur situation. Il ne faut pas se laisser uniquement gérer par les traditions. Si on aime le Seigneur, on doit pouvoir consulter la parole de Dieu et savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande à faire dans les situations. Et je pense que le Saint-Esprit peut mettre une conviction dans notre cœur. Lui, il sait. Puisque la parole de Dieu, du reste, Paul dit « Femme, sais-tu si tu vas sauver ton mari mm-hmm. ?» Mais le Saint-Esprit, il sait. Si cet homme va venir à lui, si cet homme va se convertir, je crois qu'on peut faire confiance au Saint-Esprit pour les guider, pour les conduire. Et sinon, Malaika, on est là pour répondre à leurs questions. Et au contraire, on les invite à nous écrire, à nous suggérer des thèmes, des sujets qu'elles aimeraient qu'on en parle, qui pourraient les aider. Parce que c'est le but du programme. Et on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les solutions, mais on désire aider dans la mesure du possible.
Exactement. Merci en tout cas à toutes mes co-animatrices et bien sûr à notre invitée Sidonie qui a été avec nous, présente pour l'émission et pour son témoignage vraiment poignant. Et merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement et qui nous envoient des messages, qui nous encouragent. Merci beaucoup. Et surtout, on veut vous encourager si vous êtes dans la situation. Ne vous sentez pas rejeté. Le Seigneur vous accueille. Il est avec vous. Il veut vous montrer un avenir. Il veut vous montrer une espérance qu'il y a encore des choses à vivre avec lui et bien sûr avec la famille de Dieu. Et d'ici là, je vous dis à très très bientôt.